Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'aurez très certainement vu, un nouveau point lecture. Mais avant de parler livre, je devais, suite à un de mes derniers vlogs, rétablir une vérité. Et oui, oyez, oyez, braves gens, attention, grande nouvelle, cette chose poilue dotée de griffes aiguisées ne s'appelle pas princesse. Puisqu'elle s'appelle en vérité, attention, grosse révélation, Suze. Oui, vous avez bien compris, S-2-O-Z. Mais ça vient d'où ce nom chelou? Bah, je vous laisse deviner. Petit indice de derrière les fagots, je pense que seuls les gens aux alentours de la trentaine seront susceptibles de trouver. Mais alors dis-moi, Jamie, pourquoi porte-t-elle un médaillon avec l'inscription princesse? Elle pourrait faire mon rang dans la hiérarchie des chats, connasse. Ok, autant pour moi. Bon, maintenant que les choses sont éclaircies suite à la demande express de Suze herself, nous allons pouvoir mettre de côté ces considérations miaoutesses. Comment ça, ça n'existe pas? Bah ça devrait. Et revenir à nos moutons. Et quand je dis moutons, je parle bien sûr de livres, puisque je vais aujourd'hui vous présenter 4 livres que j'ai lus dernièrement. Et attention, accrochez-vous à vos baskets, parce que niveau avis livresque, aujourd'hui ça va être le grand 8. En effet, comme vous allez le voir, dernièrement, j'ai fait de très bonnes lectures et d'autres, ma foi, beaucoup moins sympathiques. Trêve de bavardage, c'est parti, tout de suite. Bon alors, on va commencer avec les choses qui fâchent un petit peu, puisque je vais commencer avec les deux ouvrages que j'ai, disons, le moins aimé. Et le tout premier, il s'agit d'Une putain d'histoire de Bernard Minier aux éditions Pocket. Je vous fais un très rapide topo de l'histoire dans cette putain d'histoire apparemment. Nous nous retrouvons donc sur une île qui s'appelle Glass Island, qui se situe au nord des États-Unis. Sur cette île se trouve donc une communauté de gens qui vivent un petit peu en vase clos, vous savez, le genre d'île du coup où tout le monde se connaît un petit peu. Et on va plus particulièrement rencontrer le personnage d'Henri, qui est un jeune garçon de 17 ans qui vit sur cette île et dont malheureusement la petite amie va être un jour retrouvée assassinée. Avouons qu'il y a mieux pour rentrer dans l'âge adulte. Bref, suite à ça, sans grande surprise, notre bande d'ados va vouloir du coup à tout prix savoir ce qui est arrivé à cette jeune fille. Alors, vous allez me dire, jusque-là, le pitch comme ça a l'air plutôt intéressant, sauf que c'est pas aussi simple que ça en fait. C'était pour le coup mon tout premier Bernard Minier, et j'avoue que j'en ressors assez mitigé. Alors s'il y a une chose que je ne peux pas nier par rapport à ce livre, c'est que c'est un très bon divertissement. Et ça me fait sourire parce que justement ce matin, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai suivi un live de Séverine sur sa page Facebook, Il est bien ce livre. Et par un truchement de hasard, on s'est justement mis à parler de Bernard Minier puisqu'elle vient de terminer son dernier livre. Et bizarrement, son avis faisait très très fort écho au mien. Alors j'ai beaucoup aimé l'idée de départ de cette petite île où tout le monde se connaît et où paradoxalement de nombreux secrets peuvent se cacher. Et bien sûr par la suite ce meurtre arrive et là on se dit forcément tous les secrets vont être mis à jour et je dois avouer que même si tous les ingrédients de départ, les bons ingrédients étaient là, eh bien l'auteur a pris une voie qui m'a pas franchement convaincue. En gros la sauce a pas pris quoi. Alors tout d'abord, il faut reconnaître que j'ai un petit peu tiqué sur le fait que cette histoire se passe aux États-Unis alors que l'auteur est français. Je sais que ça se fait de plus en plus. Personnellement, c'est un procédé que je trouve un petit peu dommage. Soyons un petit peu fiers, merde. Et auteur français, bien, je vous invite à écrire un petit peu plus d'histoires qui se passent dans votre pays parce que je trouve personnellement qu'il y a assez de romans comme ça qui se passent aux États-Unis. Alors explorons la magie des paysages français, s'il vous plaît. Bref, une fois passées ces quelques considérations géographiques, je dois avouer que ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment dérangé dans cette lecture, c'est finalement toutes les invraisemblances que j'ai retrouvées dedans. Bon alors tout d'abord, de voir des ados qui enquêtent comme des flics chevronnés et qui font des trucs absolument hors de portée d'adolescents normaux, avec moi ça l'a pas vraiment fait. Sans parler bien sûr d'autres invraisemblances que je ne peux malheureusement pas évoquer avec vous au rythme de clairement vous spoiler. Alors même si ça a été un moment de lecture agréable, je ne peux pas dire le contraire, et bien je dois avouer qu'à aucun moment je ne croyais en ce que je lisais. Et du coup, bah, je suis restée un petit peu en retrait du récit et je suis pas vraiment rentrée dedans. Et par-dessus le marché, du coup, je me fichais complètement de ce qui pouvait arriver au personnage. Je me rends compte que vraiment, de plus en plus, j'ai besoin que les histoires que je lis aient un côté criant de vérité, qui puisse s'ancrer dans une réalité tangible et tout simplement soit un minimum crédible. Pour moi, ce fut donc une lecture sympa, mais que je rapprochais comme ça un petit peu d'un bon gros film américain.
Vous savez, où on met finalement la dose. Alors oui, c'est bien tourné, les effets spéciaux sont bien réalisés, mais soyons clairs, dans le fond, c'était too much. Et puis, la fin de cette histoire, bien que je ne l'ai pas vue venir, était pour moi le summum de l'invraisemblance. Selon moi, il faut donc aborder ce livre comme un bon divertissement, mais sans plus. Après, croyez-moi, si vous le prenez comme ça, que vous le savez avant de le commencer et que ça vous convient parfaitement, je suis sûre que vous allez passer un très bon moment. Pour tous ceux qui aiment la profondeur et ressentir des choses dans leur petit cœur lors de leur lecture, là par contre, je leur dirais peut-être de passer leur chemin. Après, je le répète, ça a été une lecture agréable qui s'est lue franchement très vite. Je pense que je tenterai malgré tout d'autres livres de cet auteur afin de me faire une idée un petit peu plus affinée sur sa plume. Mais clairement, c'est pas un bouquin qui va me rester en mémoire, ou en tout cas, ce qui va me rester justement en mémoire, c'est le côté absolument invraisemblable de ce qui s'y passe. Vous l'aurez compris, ça a pas non plus été la cata totale, j'ai passé un plutôt bon moment. Mais voilà, prenez-le vraiment comme un film qui vous sert à vous débrancher le cerveau. Je vois pas comment résumer mieux ce livre. Et on enchaîne tout de suite avec « C'est pas sorcier Harry, les sorciers en ont marre » de Gordon Zola aux éditions Le Léopard Masqué. Alors ce livre, si vous vous souvenez, je l'avais acheté durant le salon littéraire de Bondu sur le stand même de l'auteur avec qui j'avais un petit peu discuté. Je dois avouer qu'il m'avait bien eu avec son histoire de « Je suis pote avec Nadine mon fils ». Du coup je me suis dit « Oh trop bien, ça va être le même style d'humour ». En plus de ça, il proposait un bouquin parlant d'Harry Potter, ou en tout cas faisant une espèce de critique ou se moquant comme ça gentiment d'Harry Potter. Donc, emballé, c'est pesé. J'ai pas cherché très très longtemps, malgré le prix tout de même un peu exorbitant de 22 € pour un bouquin qui n'est franchement pas très long. Eh bien, on ne m'y reprendra plus. Bon, alors là, c'est le quart d'heure où je vais pas me faire que des copains, mais quelle déception ce livre! Comme je le disais, je l'ai donc acheté à l'auteur. Tout de suite, le thème m'a clairement emballé. Et puis, très vite, durant ma lecture, enfin, dès le début de ma lecture, j'ai compris que ça allait pas le faire. Pourtant, en règle générale, je suis plutôt bonne cliente des livres un petit peu humoristiques, comme les livres de Nadine Monfils ou encore ceux de San Antonio. Mais là, je dois reconnaître que son humour à lui, ça a pas du tout collé avec moi. Et pourtant, croyez-moi, niveau humour, parfois il m'en faut pas beaucoup. En fait, dans ce livre, l'auteur se concentre vraiment sur des jeux de mots et trop c'est trop. Et là, c'était clairement beaucoup trop. En fait, le problème, c'est que j'ai vraiment eu le sentiment qu'il voulait faire de l'humour au détriment même de l'histoire. Et puis, il veut tellement en faire et de façon parfois un petit peu alambiquée que finalement, ça rend la lecture assez hachée et même pénible par moments. En plus de ça, en lisant ce bouquin, on a vraiment le sentiment que l'auteur a une très haute estime de lui-même et qui peut même parfois paraître carrément pédant envers le lecteur. Alors, je ne sais pas s'il est véritablement comme ça dans la vie ou si c'est un espèce de personnage qu'il se donne au travers de son bouquin, mais en tout cas, croyez-moi, pour ma part, j'ai pas trouvé ça super agréable. Il a en plus de ça dissimulé dans ce bouquin quelques petits tacles comme ça envers des auteurs dits commerciaux tels que Marc Lévy, je vous le donne en mille, ce qui renforce clairement son côté pédant et pseudo-intellectuel qui va en tout cas se donner dans ce livre. Et je dis ça sans amour particulier pour Marc Lévy que je n'ai jamais lu. Et ce qui m'a le plus dérangé finalement dans ces passages, c'est pas tant qu'il flingue comme ça certains auteurs dits commerciaux parce que bon, on va dire que limite c'est de bonne guerre. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que justement dans ces passages, en fait, il fait passer les lecteurs de ces auteurs-là pour des idiots parce qu'ils lisent ce genre de bouquin. Vous voyez un petit peu l'idée? Messieurs les auteurs, croyez-moi, c'est jamais très flatteur de traiter les lecteurs d'idiots. C'est en tout cas le ressenti que j'ai eu en lisant ce bouquin et croyez-moi, pour moi, c'était franchement plutôt explicite. J'aurais dû souligner le passage, ça aurait été beaucoup plus clair, mais là, j'ai vraiment pas le courage de vous rechercher le passage en question. Et pour en rajouter dans le côté pas très très agréable, je dois avouer que j'ai noté aussi des gros relents comme ça de grossophobie dans ce récit, ce qui m'a plutôt hérissé les poils. En effet, ce qui m'a embêté dans cet ouvrage, c'est que tous les personnages méchants, moches ou hystériques sont forcément des personnages gros, dont une, je me souviens, qui est entre autres traitée de grosse hurlante et de vache à cri. Alors oui, vous allez me dire sûrement que sous couvert d'humour, il essaye comme ça de se moquer un petit peu de tout le monde. Ouais, il n'y a pas de souci. En fait, il se serait moqué de
tout le monde, ça aurait été très bien, mais là, le problème, c'est que j'ai vraiment eu le sentiment que ces attaques étaient quand même très visées vers certaines catégories de personnes. Alors, comme je le disais, je ne vais sûrement pas me faire que des amis avec cette chronique, mais ma déception fut telle que ça me paraissait important de vous en parler et de vous expliquer surtout pourquoi. Pour résumer ce bouquin, pour moi, c'était une très très bonne idée de départ. D'ailleurs, je suis en train de dire, je vous ai même pas fait le résumé. Bref, c'est pas grave, je vous avoue que j'ai même pas envie de vous en faire un. Mais malheureusement, j'ai pas du tout accroché à la plume de l'auteur et avec moi, ça a pas du tout matché. Dommage. Et pour ma part, ça a été une lecture plutôt fastidieuse et pas agréable que je pense que je vais très très vite oublier. Voilà, malheureusement, ça peut pas le faire avec tous les auteurs, la preuve en est. Ce qui me rassure un petit peu moins, c'est que j'en ai un autre de lui dans ma palle et du coup, je vous avoue que je suis pas prêt de le sortir. Bon, après, ce qui me rassure, c'est que l'autre que j'ai de lui est apparemment plutôt un livre jeunesse, alors peut-être que ce sera différent, je ne sais pas. Mais si vous voulez, avec tout ce que j'ai dans ma palle, clairement, je pense que il va y dormir quelques années, celui-là. Voilà, donc je suis la première à être déçue, mais en tout cas, pour moi, c'est pas sorcier Harry. Ça l'a pas fait. Je peux pas vous dire mieux. Mais rassurez-vous, après des lectures plutôt pas terribles, eh bien, les choses sont remontées, puisque j'ai fait deux autres lectures, franchement, beaucoup, beaucoup mieux. Et la première, il s'agit de Le Collectionneur, de Fiona Cummins, aux éditions Slatkin et compagnie. Bon, alors, ce livre, normalement, vous en avez entendu pas mal parler sur BookTube, etc. Du coup, je vais vous faire un résumé vraiment, vraiment très rapide pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Dans ce bouquin, on se retrouve donc avec un serial killer qui a une passion, disons, plutôt pas très commune puisqu'il collectionne les squelettes un petit peu difformes. En gros, le monsieur, il aime bien récupérer les cadavres des gens qui ont des problèmes osseux. On est d'accord, c'est plutôt bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est le livre parfait pour les kinésithérapeutes un peu psychopathes sur les bords, mais en tout cas, pour ma part, ça l'a plutôt bien fait. C'était donc le premier livre que je lisais de cet auteur et ça m'a permis de découvrir sa plume, franchement, très fluide et très addictive. D'ailleurs, je me demande si c'est pas tout simplement le premier livre de cet auteur. Ma foi, regardons un petit peu ça. Pour moi, c'est un thriller qui nous emporte très facilement et qui nous plonge dans un univers très original, celui de la maladie des os. Ou plutôt des maladies des os. Oui, parce qu'histoire de rajouter un petit peu de glauque à cette histoire, eh bien, notre serial killer va vouloir faire main basse sur de jeunes enfants qui ont des petits problèmes osseux. Et c'est d'ailleurs ce thème qui m'avait particulièrement interpellée et qui m'avait donné envie de découvrir ce livre parce que, soyons honnêtes, c'est pas un thème que je rencontre tous les jours dans mes lectures. Et en plus de ça, cette histoire se déroule en Angleterre, ce qui est un autre bon point pour ma part. Alors, comme je le disais, bien que ce livre soit une bonne grosse bricasse, je l'ai lu finalement assez rapidement parce que je l'ai trouvé très bien rythmé, avec une écriture très fluide et des chapitres courts. Après, si j'ai beaucoup aimé cette lecture, je dois reconnaître néanmoins que j'y ai trouvé quelques petits défauts. Tout d'abord, malheureusement, je dois reconnaître que je me suis pas vraiment attachée à aucun des personnages. Il me manquait ce petit quelque chose pour vraiment rentrer en empathie aussi bien avec les enfants que leurs parents. Et là, vous allez vous dire « Ouais, mais t'es peut-être un peu psychopathe sur les bords et t'as pas de cœur. » C'est une possibilité. Je n'ai pas non plus particulièrement accroché avec notre enquêtrice qui s'appelle Etta Fitzroy parce que pour moi, il me manquait quelques détails sur sa personnalité ainsi que sur son physique pour, je pense, bien me l'imaginer et du coup, vraiment rentrer en empathie avec le personnage. Concernant le serial killer, très bon point, c'est que je l'ai trouvé très original. Par contre, je dois reconnaître que j'aurais aimé qu'on explore un petit peu plus sa psychologie ainsi que ses motivations. Et c'est peut-être de ce côté-là que pour moi ça pêche un peu. Et enfin, concernant la fin, je dois avouer que là encore, malheureusement, j'ai trouvé quelques invraisemblances, aussi bien dans la réaction des personnages que dans les actions mises en place. Et tout ça a fait, je pense, que je suis restée un petit peu en dehors de l'histoire et que je n'ai pas accueilli cette fin comme le méga aboutissement tant attendu. En gros, c'était top, et puis à la fin, ça a fait un petit flop. Néanmoins, je le répète, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, même si je dois reconnaître que dans le genre, j'ai lu bien mieux. Et quand je dis ça, je pense par exemple à M.G. Arledge ou Mo Hyder, pour ne citer que dans le genre un petit peu thriller anglais. C'est donc pour moi un très bon thriller page-turner qui plaira, je pense, surtout en priorité aux lecteurs assez peu habitués du genre.
Je dois avouer aussi que je suis restée avec certaines questions à la fin du récit, mais comme cette fin appelle à une suite, finalement, je suis pas très très étonnée. Je le dis donc clairement, je lirai la suite de cette histoire, même si, comme je l'ai dit, dans ce genre de saga, j'ai lu bien mieux. Ça a malgré tout été pour moi une découverte très sympathique qui, je pense, demande juste un petit peu à être améliorée et étoffée. Du coup, c'est pour ça que, ma foi, la suite me rend plutôt curieuse. Et puis, dans l'idée que c'était le premier de cet auteur, je pense que sa plume va évoluer. Du coup, il y a moyen qu'elle gomme comme ça les petits défauts qui font pour moi que ce livre n'a pas été un énorme coup de cœur. Et enfin, je terminerai avec L'écorché de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Et pour la toute première fois depuis la création de cette chaîne, pour cet auteur, je vais devoir déclencher l'alerte auteur chouchou. Oui, parce que comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, il n'y a pas photo, maintenant c'est clair, c'est net, c'est acté. Donato Carisi et moi, bah ça le fait grave. Plus je lis cet auteur, et croyez-moi, plus je l'aime d'amour, donc... Merci encore une fois à Séverine d'avoir parlé tant du chuchoteur de cet auteur-là qui m'a permis de le découvrir parce que depuis, bah, j'ai plus envie de le lâcher. Et ce tome-ci est justement la suite du chuchoteur. Du coup, dans cette histoire, on retrouve notre enquêtrice Mila Velasquez qui, si vous ne le savez pas, est une femme policière spécialisée dans les enquêtes surtout des enfants disparus. Et dans ce tome-là, on va se retrouver confrontée à des meurtres, sauf que bah, quand on creuse un petit peu, on va vite se rendre compte que les auteurs de ces meurtres ne sont autres que des gens disparus qui sont un peu, disons, présumés morts. Donc ça pose un petit problème. Histoire d'élucider un petit peu tout ça, Mila Velasquez va devoir former un duo avec Simon Berich et on va se retrouver avec, ma foi, un duo plutôt inattendu, mais qui pour moi fonctionne plutôt bien. Vous l'aurez donc compris, Donato Carisi s'est donc parfaitement embarqué dans ses romans et là encore, ça a été complètement le cas. Alors je dois avouer que j'avais pas entendu que des bons retours par rapport à cette suite du chuchoteur pour beaucoup d'entre vous. En tout cas apparemment, voilà, ça valait clairement pas le chuchoteur. Et du coup, bah, je dois avouer que j'en attendais pas grand chose. Limite, je partais un petit peu pessimiste et là, bam, bah franchement, ça a été une super surprise. Et oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce bouquin. Alors oui, non, pas autant que le chuchoteur, on est bien d'accord, mais en même temps, le chuchoteur, c'est là, hein. Mais néanmoins, j'ai adoré cette lecture. J'ai complètement dévoré cette histoire que j'ai trouvée hyper addictive et clairement, là non plus, je ne pouvais plus lâcher mon bouquin. Alors bien sûr, j'ai beaucoup aimé retrouver le personnage de Mila Velasquez qu'on avait du coup déjà aperçu dans le chuchoteur, mais dans ce tome-ci, je trouve qu'on en apprend un petit peu plus sur elle et personnellement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Une fois de plus, Donato Carisi a choisi un angle de récit très original, très inattendu et qui surtout se base en priorité sur la psychologie. Et ça, vous devez le savoir, bah, avec moi, ça fonctionne en général. Et si parfois on frôle l'invraisemblance, eh bien personnellement, je trouve que l'auteur sait toujours où poser la limite pour ne pas justement dépasser et tomber dans le grand n'importe quoi. J'aime toujours autant les ambiances qu'il arrive à créer comme ça un petit peu noire, mystérieuse et angoissante à souhait. Et bien que j'ai réussi à deviner la toute fin, ou en tout cas dans les grandes lignes, et bien j'ai néanmoins été surprise par de nombreux éléments, et ça c'est toujours plutôt chouette. En fait, il n'y a rien à faire, pour moi cet auteur a une vraie patte qui arrive à me conquérir à chaque fois. J'accroche totalement à son univers, ses personnages et les espèces de labyrinthes de réflexion qu'il met en place dans chacun de ses bouquins. C'est donc avec un immense plaisir que je lirai la suite de L'écorché. Donato Carisi est décidément pour moi un grand tome du thriller et vous l'aurez compris avec cette chronique. Décidément, maintenant, c'est clairement un de mes auteurs chouchous. Et je pense que c'est pas demain la veille que ça va changer. Comme vous l'aurez vu, l'avis d'un lecteur, c'est ça. C'est d'avoir parfois des très très bonnes lectures et parfois des très très grosses déceptions. Mais que voulez-vous, on va dire que bah, c'est ça la beauté de la lecture. Même si j'avoue que les déceptions, des fois, on s'en passerait bien. Bref, une fois de plus, j'espère que mes avis sincères vous auront plu et surtout vous auront peut-être été utiles. Et pourquoi pas, vous auront donné envie d'en découvrir certains. D'ailleurs, pas que les bons selon moi, hein, peut-être aussi découvrir ceux que j'ai moins aimés.
En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça juste en dessous, en commentaire, je vous y attends. Et puis, comme d'habitude, je prends le temps de répondre à tout le monde. Vous le savez maintenant, si vous avez aimé la vidéo, pour aider la chaîne, on met des petits pouces levés. Et pourquoi pas, eh bien, on s'abonne si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, je vais juste terminer sur ça, mais je voudrais vraiment tous vous remercier, vous qui me suivez, parce que depuis hier, il me semble, en tout cas, quand je tourne cette vidéo, eh bien, nous avons passé la barre des 1000. C'est juste un truc de malade, je crois. Que dans ma tête, j'ai pas encore vraiment fait les connexions, mais en tout cas, voilà. Merci énormément de faire confiance à cette chaîne, de me faire confiance à moi, de me suivre. Et promis, je vous prépare plein de chouettes surprises que j'espère pouvoir mettre en place très très vite. De mon côté, je vais arrêter de blablater parce qu'une fois de plus, ça va être beaucoup trop long. Donc, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Je vous envoie tout plein de bisous et d'amour. Et j'espère vous retrouver très vite sur cette chaîne. Salut!